Nous t'avons déjà montré des prédictions des Simpsons qui se sont ensuite réalisées. Aujourd'hui, cependant, tu peux t'attendre à quelques scénarios futurs de la populaire série animée qui ne se sont pas encore concrétisés, mais qui pourraient se réaliser au cours de l'année à venir. Il s'agit de prédictions à la fois extrêmement effrayantes et souhaitables. N'hésite pas à nous faire savoir dans les commentaires ce à quoi tu penses que nous pouvons nous attendre en 2024. Nous commençons par une prédiction des Simpsons qui fait rêver l'humanité depuis longtemps et qui a été présentée pour la première fois dans la série en 2000. Dans l'épisode « Bart's View of the Future », nous voyons à quoi ressemblera la vie du fils de la famille à l'âge adulte. Dans ce futur possible, les gens ne se parleront plus au téléphone ou ne communiqueront plus par appel vidéo, mais pourront simplement apparaître sous forme d'hologramme et parler à leur interlocuteur. Ce qui ressemble encore à de la science-fiction aujourd'hui deviendra réalité en 2024. Apple lancera les lunettes Vision Pro AR sur le marché en 2024. La particularité n'est pas seulement que tu peux utiliser les lunettes pour placer des choses complètement virtuelles dans le monde réel, mais Apple Vision Pro permet même de passer de vrais appels téléphoniques avec des hologrammes. Pour ce faire, tu scannes ton visage au préalable et tu crées un avatar numérique qui te ressemble exactement. Lorsque tu portes les lunettes, elles reconnaissent des choses comme les mouvements des lèvres et les expressions faciales et créent un hologramme de toi, qui peut ensuite être vu en 3D par d'autres personnes portant les lunettes. Cela te donne l'impression d'être réellement avec la personne pendant un appel plutôt que de simplement regarder un écran. Il est désormais de notoriété publique que les Simpsons ont prédit la présidence de Donald Trump bien avant qu'il n'envisage de se présenter à l'élection présidentielle. De plus, dans l'épisode « Bart's View of the Future », en 2000, Lisa devient l'héritière de Donald Trump à la présidence à l'âge adulte. En 2015, cependant, la série a fait une autre prédiction pour l'homme politique. Cette année-là, elle a publié un épisode dont l'un des créateurs des Simpsons, Al Jean, a partagé une capture d'écran sur Twitter l'année dernière. On y voit Homer, avec en arrière-plan un panneau de campagne sur lequel on peut lire « Trump 2024 ». Al Jean a simplement écrit « Comme prédit » en 2015. Peu avant qu'il ne partage la scène de la série, Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait effectivement se présenter à nouveau à la présidence des États-Unis en 2024. Et il pourrait bien gagner, comme les Simpsons l'avaient prédit à l'époque. Car bien que Trump soit actuellement confronté à plusieurs affaires judiciaires et même à la menace de la prison, dans les derniers sondages, il l'emporte même avec une petite marge sur le président sortant Joe Biden. Passons maintenant à une prédiction qui nous rapproche probablement plus de 2024 que beaucoup d'entre nous ne le souhaiteraient. Dans l'épisode « Mon ami robot » de 2012, une sombre prédiction sur l'intelligence artificielle est présentée. Dans l'épisode, tous les ouvriers de la centrale nucléaire où travaille Homer sont remplacés par des robots et le père de famille est le seul à rester au travail. Par conséquent, Springfield se retrouve avec un taux de chômage de 99%. Ce qui semblait complètement absurde il y a quelques années, ne semble plus aussi irréaliste en 2024. Les modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, qui a été introduit il y a tout juste un an, menacent déjà d'innombrables emplois. Des journaux ont déjà licencié des rédacteurs à cause de l'IA. Des centres d'appels ont commencé à utiliser cette technologie pour traduire à la place des employés. Et de nouvelles versions de soi-disant modèles de langage pourraient devenir 100 fois plus puissantes l'année prochaine, selon d'éminents experts. Cette croissance rapide signifie que l'intelligence artificielle risque de coûter leur emploi à de nombreuses autres personnes l'année prochaine. Les emplois de bureau ne sont pas les seuls à être menacés, puisque des entreprises comme Amazon testent déjà des robots humanoïdes dans les entrepôts, qui ressemblent de façon effrayante aux robots des Simpsons. Nous poursuivons avec une autre prédiction très effrayante, qui est malheureusement aussi plus réaliste que nous le souhaiterions. Dans l'épisode de 2005, la famille Simpson regarde un long métrage intitulé « Kosovo Autumn » dans un cinéma d'art et d'essai. Ce film montre les tristes conséquences d'une nouvelle guerre entre la Serbie et le Kosovo.
des soldats errent découragés et épuisés dans un paysage stérile ravagé par la guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, voici un bref rappel historique. Dans les années 1990, la région a connu une guerre entre l'armée yougoslave, les forces serbes et l'armée albanaise du Kosovo, à laquelle une opération de l'OTAN a mis fin en 1999. L'épisode des Simpsons dépeint une nouvelle guerre dans la région. Et bien que cela ait été considéré comme improbable au moment de la diffusion, la situation a malheureusement changé. De nombreux experts estiment que la guerre pourrait à nouveau éclater dans la région, et peut-être même en 2024. Il y a tout juste 2 mois, le ministre des Affaires étrangères du Kosovo a mis en garde contre une nouvelle guerre des Balkans en raison du regain de tensions entre les Serbes et les Albanais. La prochaine prédiction des Simpsons sur notre liste est beaucoup plus optimiste. Dans l'épisode « The Marge Ians », qui a été diffusé pour la première fois en 2016, Lisa s'inscrit à un programme de mission martienne qui l'emmènera dans un vaisseau spatial sur la planète rouge dans 10 ans pour y vivre. Cependant, ce que la série dit être possible en 2025 pourrait devenir une réalité 1 an plus tôt, en 2024. Comme tu le sais peut-être déjà, le milliardaire Elon Musk investit depuis quelque temps beaucoup d'argent dans des projets de mission sur Mars et a déjà des idées concrètes sur la façon dont les humains pourraient bientôt vivre sous des dômes sur la planète lointaine. Il y a quelques années, il a déclaré que 2024 serait l'année du lancement de la première mission habitée vers Mars. Cependant, cette prédiction s'est avérée trop optimiste et l'objectif a été reporté. Mais les derniers tests montrent que Mars pourrait finalement être plus proche que prévu. La fusée géante Starship de SpaceX, qui transportera un jour des humains sur Mars, a non seulement déjà été construite, mais elle a également effectué les premiers tests avec succès. Les Simpsons ne se sont donc pas trompés de beaucoup dans leurs prédictions. Passons maintenant à un sujet sur lequel les Simpsons ont déjà fait plusieurs prédictions correctes. Il s'agit de la Russie. Il y a longtemps, les Simpsons ont laissé entendre dans un clip que la Russie aspirait à retrouver son ancienne puissance et voulait reprendre des parties de l'ancienne Union soviétique. Non seulement cela, mais les Simpsons ont également spéculé sur le destin de Poutine. Il y a plus de 10 ans, et donc bien avant le conflit actuel en Ukraine, il y a eu cet aperçu de 2 minutes dans le style time-lapse de 12 ans dans la vie de Vladimir Poutine, qui montrait le président russe sous les traits de M. Burns. Ce qui est étrange ici, c'est que la vie de Poutine se termine en pharaon. Les pharaons étaient connus pour être les seuls à diriger l'ensemble de l'Empire égyptien dans l'Égypte ancienne. On peut bien sûr y voir une allusion au fait que Vladimir Poutine s'assure lui aussi progressivement de plus en plus de pouvoir et qu'il est désormais davantage un dictateur tout puissant qu'un président. Il n'est donc pas étonnant que le clip ait fait sensation sur YouTube et ait atteint 10 millions de vues. Ce qui est fou, c'est que le clip vient même de Russie et a été créé comme une vidéo de protestation contre Poutine. Même si les créateurs originaux des Simpsons ne sont pas derrière tout ça, le clip a quelque chose de prophétique. À l'époque, Poutine n'était pas encore président à vie, et il y a quelques années, il n'était pas prévisible qu'il déclare qu'il resterait président de la Russie jusqu'à sa mort. Enfin, nous revenons sur le triste sujet de la guerre. Plus précisément, la Troisième Guerre mondiale est peut-être la prédiction la plus violente des Simpsons jamais faite. Malheureusement, en raison de la montée des tensions dans le monde et des nombreux conflits, une nouvelle guerre mondiale en 2024 n'est pas exclue. Dans un épisode de 1995 situé 15 ans dans le futur, en 2010, le fiancé anglais de Lisa adulte dit au barman Moe que les Anglais ont gagné les États-Unis dans la Troisième Guerre mondiale. Heureusement, une Troisième Guerre mondiale n'a pas encore eu lieu. Mais ce qui rend le tout un peu effrayant, c'est le fait que plusieurs prédictions faites dans ce même épisode ont été vérifiées par la suite, et même avec plusieurs années de retard. Entre autres, FaceTime et l'Apple Watch ont été prédits. C'était notre vidéo sur les incroyables prédictions des Simpsons pour 2024. Laisse un like si tu l'as trouvée intéressante et abonne-toi à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine fois, ici à Bon à savoir.